aller dans ma chambre, ouvrir une carte des États-Unis, trouver le Murgain Nevada, mettre mon doigt dessus, tracer l'itinéraire, faire mon sac, quelques affaires, la photo, des vêtements, mon passeport, me trouver un lift vers la ville pour le lendemain matin, le frère d'un ami qui descend voir la famille, laisser une note, quelques mots sur la table de la cuisine, parti rejoindre Jack au Nevada. Inquiétez-vous pas, ouvrir la porte. I was surprised, as always, by how easy the act was. How good it felt. The world is suddenly rich with possibility. La refermer, sans retourner. Chaussures de cuir verni, grandeur 8,5. Reno, Nevada, s'il vous plaît. Aller-retour ou aller simple? Aller-retour. Non, aller simple. T'es-tu certaine, Dunn? Pas vraiment, non. Mais le prochain départ, s'il y a de la place. Je sais que j'aurais dû réserver avant. Relax, Dunn. On va regarder ça. Oh! Je t'ai dit que c'est pas à porte, ça? Reno, Nevada? Ouais, je sais. Ben, j'ai déjà un bon bout du voyage de fait. J'arrive du Nord, puis je viens de passer 6 heures poignée dans un char entre un gros labrador qui pue et des valises. À côté de ça, l'autobus, ça devrait pas être pire, non? As-tu déjà voyagé par Boston? Pas vraiment, non. D'ailleurs, je vais-tu pouvoir partir ce soir? Mon livre est déjà reparti. Inquiète-toi pas, il y a toujours de la place. Mais, t'es-tu certaine, toi? C'est ça la vraie question. Mon cousin Georges, il a été au Nevada une fois, puis si ma souvenance est bonne, il avait pas bien aimé ça. C'est dry, Québec. Ben, ben dry. Puis pas comme le Martin. Écoute, Jack. Hey, comment ça se fait que tu connais mon nom? Oh, il est écrit sur ta chemise. T'as bien raison. Je peux-tu juste avoir mon billet? Ben oui, toi.